Les ventes de voitures neuves ont connu une légère reprise en France au mois de juillet, les constructeurs français profitant du lancement de leurs nouveaux modèles. Elles sont en hausse sur un an de 0,9%, mais le mois de juillet 2013 comptait un jour ouvré de plus qu'un an plus tôt. Et à nombre de jours ouvrables comparables, eh bien ces ventes sont en baisse. Cette hausse est tout de même encourageante. On peut se réjouir parce que la chute vertigineuse s'arrête. On voit bien qu'on est tombé au point bas et on commence à remonter. Mais il faut quand même rester réaliste. Nous allons finir l'année avec un marché automobile qui est du niveau de la crise de 97 et de 98. Le comité des constructeurs français d'automobiles table toujours sur une nouvelle baisse des ventes automobiles de 8% cette année par rapport à 2012. Au mois de juillet, les groupes français, qui représentent 55% du marché national, ont davantage profité de cette embellie que leurs concurrents étrangers grâce au renouvellement de leur gamme.